Castaner, démission. Castaner, démission. Castaner, démission. Aujourd'hui, c'est un appel des collègues qui ont demandé à pouvoir exprimer leur colère, voilà, en service avec les véhicules de police, exprimer leur colère par rapport aux déclarations de notre ministre de lundi. Voilà. Ce ne sera pas suffisant et on y était, j'étais ce matin à Mont-la-Jolie pour la cérémonie de deux collègues qui se sont fait assassiner. Et on a eu l'occasion d'en parler avec lui, avec le ministre directement. On lui a dit ça. Ça va pas passer, ça sera pas suffisant. Là, lundi dernier, il y a eu une cassure avec des propos que les collègues aujourd'hui n'ont pas acceptés parce qu'ils ont estimé qu'on a généralisé le mot racisme, on a mis en doute leur professionnalisme avec des techniques qu'on maîtrise depuis des années. Tout ça pour calmer la clameur publique, tout ça parce qu'une minorité dit que la police est raciste et la police ne fait pas bien son boulot. Il n'avait pas le droit de traiter les effectifs comme il les a traités. On a des gens professionnels qui au quotidien travaillent pour la sécurité des citoyens. Ils font mal parce que c'est pas juste. C'est pas juste aujourd'hui d'entendre ces propos, ces insultes envers la police. C'est pas juste parce que derrière on mérite pas ça, on fait notre travail, on est policiers républicains. Alors effectivement on dérange dans les cités parce qu'on fait juste notre travail, on empêche la délinquance de pouvoir faire leur trafic de stupéfiants. Donc si c'est ça qu'on nous reproche, c'est dommage parce que c'est notre boulot, c'est de faire la sécurité des citoyens. Donc les mots ils sont durs à entendre quand vous êtes policier républicain, vous êtes aussi citoyen. On a des collègues qui sont aussi de l'immigration, moi-même ils sont de l'immigration, entendre des propos comme quoi on est raciste, comme ça, bien sûr que ça fait mal.